Salut tout le monde, c'est Yoshi Gonzalez et on se retrouve pour le cinquième épisode de Pokémon Crystal. Et je suis en compagnie de... B-Boy. Et donc on se retrouve à côté de Albert, qui ne s'appellera pas Albert, mais qui aura un autre nom, parce qu'on a randomisé les noms et c'est très drôle. Et donc pour explication, juste pour vous prévenir, on a repris le let's play car on a retrouvé un logiciel de capture qui marche pour Yoshi Gonzalez. Et vous... Alors j'avais remarqué qu'on n'avait pas uploadé l'épisode 4 qu'on avait filmé il y a très longtemps. Du coup on entend... Oula, mon portable fait des chiennes. Du coup on entend... Vous avez entendu là Yoshi Gonzalez l'intro qu'il a fait. Non mais allez voir l'épisode 4 et comparez la voix. C'est incroyable. Je sais pas, il a dû manger du gravier. C'est délicieux le gravier. Je vous le dis tout de suite. Bon bah on va commencer tout de suite. Donc on vous rappelle les équipes, moi je me rappelle mon équipe en fait, parce que ça fait vraiment trop longtemps. On a fait un peu d'entraînement, et rassurez-vous, pendant les entraînements on ne triche pas, si un Pokémon meurt, il meurt. Donc voilà, Léviator niveau 13, enfin bouche à 8, Pendotron. Thomas est au niveau 13, Poulpeuse niveau 16, Jasmine niveau 13, et... Enfin, le dernier OGM est monté au niveau 13. Ouais, c'est Doris, niveau 16. Alors, est-ce que j'ai des attaques électriques? Non, il a cage éclair. Attends, c'était quoi? Moi, c'était insecte. Oui, et moi, c'était plante. Hein. Donc, je vais garder bouche à vite. Donc, moi, je vais garder Thomas. On lui parle en même temps. 1, 2, 3. Je suis Albert, champion d'arène, mais je sais pas... Ah bon, il s'appelle Albert. Tu vois, il s'appelle Albert. Mais non, champion de ma ville. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. Mais ça ne me concerne pas, je suis dresseur de Pokémon insectes. Je vais subir la terrible attaque de mes Pokémon volants. Ok. 1, 2, 3. Tia Rich Kid. Encore une Mallory, tiens. C'est un ingénieur. moi c'est un gosse riche. Un Cizayox, merveilleux. Ça va, moi. C'est un putain de paras. Alors, Thomas a appris à lécher. C'est génial. Mais il a rien appris du tout, il a appris à casser la gueule des gens. Donc, il va faire griffe. Et ça marche très bien, même contre les Pokémon acier. Donc, voilà. Non. Ah non. Ah non, ça, je suis pas fan. J'aime pas être paralysé. Moi, j'ai pas ce problème-là. Oh mon dieu, il m'a retiré 3 points de vie. Du coup, en fait, il a l'évolution du Pokémon fétiche d'Hector. C'est complètement débile. Donc alors, j'ai mis Paraskao. Hein. Je le précise. Voilà, il va nous envoyer son Rookups, qui est devenu un Mimitos. Un Eliatron. Oh, bah t'as qu'à envoyer OGM. Ouais, même s'il va se faire péter la gueule, c'est pas grave. Alors, Mimitos, il est poison. Oui, mais je rappelle... Je suis con, j'ai pas d'attaque psy. Je rappelle que Eliatron a une tête de violeur sodomiseur... de violeur sodomiseur... nazi. Bah, il a l'air très gentil pour un nazi. Il a trop mangé. Je sais pas. Croissance! J'ai grandi! Moi, je vais l'endormir. Putain, il a appris Crasse Face. Le FDP. Voilà. Oui, quand je rate Hypnose, j'ai tendance à vouloir accélérer. Écrase face. Du coup, on va lui faire écrase face. Bouffe ma méga sensue. On va tous les deux les finir avec écrase face, ça va être merveilleux. Non, parce que j'ai pas écrase face. Ah. C'est lui qui a écrase face. Ah, d'accord. Et il me fait plutôt mal. Bah, alors fais gaffe. Attaque finale. Non, j'ai raté. Il se réveille. Calme-toi. Donc voilà, moi j'ai fini. Je suis obligé de renvoyer Thomas. C'était Thomas qui a fait tout le boulot. L'ingénieur Mallory a perdu. Oh. Zut de flûte, les Pokémon adorés de mon papa. Quoi? Thomas, you can... You can't. Le badge ne sera confirmé que si tu l'obtiens. Donc oui. Voilà. Thomas n'est plus paralysé. Le badge à Zephyr. À moitié seulement. Là, pour l'instant, il est coupé en deux.
Le badge de défi augmente l'attaque des Pokémon. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash. Crifle ! Oh mon dieu ! Crifle ! Bon, ça va. La CT 31. Donc tu voulais voir si les CT étaient randomisées. Oui, je voulais voir ça. Parce que c'est très drôle, les CT randomisées. Elle contient coup de boue, d'après lui. Coup de boue ? Ah oui. C'est une attaque sol qui baisse la précision. C'est normal. Zut de flûte. C'est les normal Pokémon pour un... de mon papa ont perdu. Badge Zephyr. Et moi, j'en compte 900. C'est normal pour un peu. Donc, le badge Zephyr est validé parce que Thomas a fait tout le boulot. Ouais. Alors, il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash. Prends ça aussi. C'est malédiction, moi. D'accord. Donc, elles sont bien randomisées. Alors, dans la. Ouais, les Pokémon. Au revoir. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Elle contient un coup de boule. Non, coup de boue, mais tu dis du caca. Donc alors, je rappelle que dans Ergold, à chaque fois, j'avais de la chance et j'avais eu Revenant et Hurletant et Rapace. Mon dieu ! Vite, sors de là ! Attends. Oh, j'ai vrai qu'il y a un tien. D'accord. Sympathique. Vite, sors de là ! Il se passe quelque chose. No, God, no ! Ah, Sbé, on a découvert quelque chose sur l'œuf. C'est un œuf de Pokémon incroyable. Mon assistant, Monsieur Pokémon, est venu de Mauville, il va lui parler. Ah non, il est venu à Mauville. Ah non, son assistant, pas Monsieur alors, Pokémon. Pour l'œuf, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que il compte pour Mauville ou c'est l'endroit où il est clos? Parce que si... Ta mère. D'accord. Mais je sais pas, pour moi, un œuf, on te le donne, donc tu fais pas chier. Quand t'es dresseur de Pokémon, j'ai jamais compris certains points du Nuzlocke qui sont complètement débiles. Bah en fait, les œufs, c'est encore un point sombre pour moi. Parce que, je veux dire, des fois, ouais, c'est à l'endroit où t'es clos. On a qu'à demander à ce monsieur, il a l'air de pouvoir nous éclairer. Je vais te mettre des yeux, tu sais. Bon, et pousse-toi. J'adore me soigner à la vitesse extrême. Moi, j'aime bien sauvegarder. Bon, je sauvegarder. Bon. Ah, il m'a donné un œuf, j'ai voulu le cuire, mais. Il n'avait pas bon goût. Peux-tu prendre l'œuf de Pokémon? J'ai remis dedans. Oui. Bah écoute. On va dire que c'est à Mauville. Ouais, ça m'évitera de pêcher des roucoules avec explosion. Oh, moi j'essaie quand même de pêcher. D'accord. J'espère qu'il y aura un Rayquaza dedans. Au revoir, monsieur. J'ai déjà eu un œuf avec un Octali une fois. C'est pas mal. Du coup, la canne en bas où? La canne, c'est en bas de l'autre route. En bas de l'autre route? Ah oui, ouais, je vois. Et moi, je vais un petit peu m'armer de Pokéball parce que ça va être l'heure du nouveau Pokémon. Ouais, on Pokémon. A gagné combien de sous avec ce débile? Oh, il nous a donné 1000. Il est généreux. Non, il a donné un peu moins de 1000. J'avais 200 et quelques... Bah moi je vais m'acheter 5 Pokéballs en plus. Je suis devenu pauvre mais ça vaut le coup. Moi j'en achète 6 mais je peux pas. Trop fort. Ouais ça m'en fait 14. Du coup on passe à une nouvelle zone. Ça fait combien de temps qu'on filme? Ça fait à peu près 8 minutes. 8 minutes, ah oh, c'est merveilleux. Non une baie. Une baie anti-para. Enfin, anti-par, si vous voulez. Parce que les baies anti-par. T'essayais de faire une blague là? Anti-par-brise! Moi j'avais pensé à Bob Par dans. Donc alors, il y a deux nouvelles dans zones. Il y a la ruine alpha et la route 32. Tu veux commencer par laquelle, tu sais? Les Pokémon de la. On va faire des puzzles! Puzzle! Je me suis téléporté grâce au pouvoir des Herbies. Moi, mon accélération n'est plus aussi cheatée, je ne sais plus pourquoi. Ah, tu vas plus à la vitesse de la lumière. Non. Bonjour madame. Bonjour monsieur qui ne sait même pas lire le Zarbi alors que c'est la deuxième langue que j'ai apprise. D'accord. Moi j'ai déjà commencé parce que je suis un gros fou. Oui, donc là il suffit de reproduire la forme. C'est un puzzle en fait. C'est très con mais c'est marrant.
Mais t'aurais dû m'attendre, on aurait fait une course. Non. Laisse tomber, je l'ai fait trop de fois le puzzle, je le connais. Moi j'ai été buzzé. Ouais, en même temps il est pas super compliqué. Je me suis gouré comme une grosse merde. T'as le droit de rire. Je me suis trompé dans le sens des yeux, c'est toi, c'est une erreur. Papa. Yes. Oh mon dieu, je vais me casser les jambes. Ça doit faire mal quand même. Donc alors, je rappelle que ici, j'ai toujours des légendaires. En même temps, c'est une grotte magique. Enfin bon, entre deux Mew et un Suicune, je crois, j'ai été servi. J'ai peur. Moi, je n'ai pas peur. Oh, Pokémon. Putain! Moi, j'ai un Pokémon. Ah oui! Oui! Téléport! Oh, oh Xatu, j'adore ce Pokémon. Pokémon acier. Oh, j'ai vu une croix sur mes Pokémon, je me dis, bordel, c'est quoi? C'est l'œuf. Je vais lui envoyer l'œuf sur la gueule. Ah non, mais je vais le tuer. J'étais débile sur ce coup-là. Résiste. Pic. Je sais plus s'il a téléport. Non, oh là, je ne Il est seul. Il est seul acier. Ah, d'accord. Je vais envoyer ce porifique. Si je dis pas de bêtises. Allez, Pokéboule. Il me semblait qu'il était roche. Pokéboule de l'espoir. Enfin, que j'éclaire, de toute façon, ça peut pas rater. Je suis con. Ah, grincement, ça fait mal aux oreilles. Gros yeux, mais évidemment tout le monde a de gros yeux sur Thomas. Parce que Thomas on est. On va faire ça jusqu'à ce que voilà, je réussisse l'hypnose. Pokéball. C'est un Pokémon acier, j'espère qu'il résiste à une écrasoise. Oui, même très bien. Et le Xatu a résisté, il résiste à une léchouille qui est super efficace. Donc bon, il putain, il meurt pas quand on le lèche, il est fort. Ouais, il est trop fort. Bébé. Yes! Yes! Moi je lui donne des petites gifles. Yes! Tu vois, c'est ce que l'animation de la taille te laisse penser. Gifle! Oui, Xatu, le Pokémon mystique! Il peut rester à méditer sans bouger, du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, je n'ai jamais d'idée de surnom pour Xatu, mais Billy m'en a donné une un jour. Utax. Et... Ah bon? Oui. J'ai dit ça au hasard en plus. Tu me l'avais déjà dit, hein. En même temps, c'est parce que c'est de la merde. Je trouve ça tellement classe. Mais en fait, c'est Xatu à l'envers. Ah bon, parce que tu crois qu'ils avaient pas remarqué? Personne n'a remarqué. Oui, ça fait des bruits bizarres quand les Pokémon s'endorment. Alors, moi je vais essayer de sortir d'ici, hein. Si les Pokémon arrêtent de m'agresser. N'est-ce pas, gentil Mystherbe? Heureusement, t'as réussi à le voir à la seconde près où il est sorti. Bon, eh bien, heureusement que je n'ai pas eu ce set d'aube. Bon, on va essayer une Pokéboule. Est-ce qu'il tient un objet, le Xatu? Non, faut pas exagérer. On essaye une Pokéboule. J'espère que c'est Pokéboule! Pokéboule rose! Non! Alors, j'aurais pu avoir un magnifique. Aéromite. Papillusion. Bah, de toute façon, avec les mythes, hein. Ouais, Chrysacier aurait dû évoluer en Aéromite. Et Mimitos en Papillusion. Les gens, des fois, sont débiles, hein. Enfin. Oh, un Rogatou. Je veux pas dire, mais la ressemblance est frappante quand même. Ouais, ne fais pas de coups critiques. C'est surtout les yeux. Bon, bah, on a recroisé un Rogatou. Je vais voir ce que j'aurais pu trouver. Prions, Bay utilise une Pokéboule. Allez, Bay, you can do. Eat. You can do tout seul, ça veut rien dire. Oui, je sais. J'ai un putain de Steelix dans mon équipe de bras. Bah, Steelix, ça va te faire de la défense d'acier. Là. Il est recouvert d'une infinité de particules d'acier. Ouais, mais en fait, pourquoi il dit ça comme si c'était impressionnant? C'est des particules, quoi. Qui reflète la lumière. Donnez un surnom à Steelix. Waouh, qu'est-ce que c'est?
Oh, j'aurais pu avoir un Smogogo, tiens. T'aurais pu faire Smogogo. Bah non, parce que je vais le remettre. C'est un serpent. Un serpent. Drago Malfoy. Pourquoi tu dis ça? En plus, je pensais au basilic de Harry Potter. Parce que je me les retape en ce moment, bien sûr. Un serpent. Cobra. Cobra, c'est un manga. Dans les mangas, il y a Fullmetal Alchemist. Dans Fullmetal Alchemist, il y a Scar. Non, on va pas faire ça. J'ai déjà fait ça pour Soporific, c'était n'importe quoi. C'est un serpent d'acier. Alors, genre, le style, dans le nom, je le comprends, mais le X, c'est quoi? C'est un gaulois? Non, c'est juste que sa pré-évolution, elle s'appelle Onyx. C'est complètement con. Donc, c'est un gaulois. Stylus. Stylusius. Ouais, Stylusius. C'est un romain, maintenant. Ou alors Astélix. Oh, un Ostenfer, salut. Stylusius, ça ne veut rien dire, c'est complètement débile, mais c'est pas grave. Stylusius! Parce que Lucius, c'est le père de Drago Malfoy, donc voilà. Voilà! Tout concorde. C'est... Et Drago Malfoy est dans la classe des Serpentards. Voilà, alors qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre, moi? Bah moi, je suis sorti, parce que t'es long. Et oui, mais en même temps, moi, j'avais un Stylix, pas un Xatout de brun. Bah, je vais essayer de faire éclore mon œuf pour l'instant, donc bon. T'es démenta. C'est moins bien que Stylix. Ah bon, sans blague. Ouais, j'ai tendance à préférer. À préférer. Le mode Stylix. Donc, ce qui... Mais bah... fais pas éclore ton œuf. Ah bon? C'est drôle de faire éclore l'œuf. Oui, surtout sur un émulateur. Ah bah, c'est très dur, hein. Des tas de morbes. Oh le pauvre chat. C'était tellement une merde qu'il a disparu. Il s'est volatilisé. Attends, je veux juste voir un truc. Utax a été capturé. Est-ce que c'est marqué où il a été capturé? Non. Est-ce que ça change en fait? Est-ce que ça change de lieu? Allez, un dernier Pokémon, des Axolotl. Non, ça ne change pas de lieu, je suis déçu. Parce que dans Ergold, ça change de lieu. Oh. Pourquoi? Bon, je te propose d'aller sur l'autre route et de capturer le Pokémon. Nous explorons les ruines, nous avons senti une drôle de présence. On a eu peur, on a filé. Ah oui, il y avait des gens avant, c'est vrai. On les a virés sans même aller les voir. T'es. Hein? Bah, moi, je te propose en fait d'aller capturer un autre Pokémon, puis après de terminer l'épisode. Parce que ça va bien. Parce que là, on est presque à 17 minutes, tu vois. Ouais, bah on aura le temps de capturer deux Pokémon et d'avoir fait une arène. Ça, c'est quand même vachement bien comme épisode. Merci d'avoir entendu vos Pokémon. Ils sont entendus, hein, pas attendus. Ça ne sert à rien d'attendre. Du coup, il va falloir que j'entraîne ce Stylix. Moi, c'est Utax. J'ai même pas regardé ses attaques. Putain, ce cri. Il a chargé grassement, ce Pokémon ultime. Alors, moi, il a ténèbres. Normal. Ouais, bon, vu qu'il est niveau 5, ça va pas te servir à grand-chose. Ouais, 5 points de dommage. Mais on est déjà allé ici. Ouais, mais tu m'avais demandé qui c'était. C'est l'autre, il faut parler. Je me rappelle plus de qui voulait m'échanger. As-tu un Machoc contre un Kikli? D'accord, c'est je pas veux, mal. Je veux bien, mais j'ai pas de Machoc, en fait. C'est... Moi, alors, je rappelle que c'est un Dontaria contre un Coxyclac. Hein. Je préfère vachement garder Otaria. Il y a du bruit à côté. Tu as de bons Pokémon, tu sais, ils ont dû s'entraîner autour là, les combats d'arène, les rares, là, c'est merveilleux, ceci. Petite plante. Donc voilà, il vous a lu. J'obtiens le grand miracle. Moi, il va se passer que. Ah! C'est pas un dresseur. Non, ce n'est pas un dresseur. Ah, je l'ai obtenu. D'accord, j'ai même pas entendu. Allez. Prions mes frères. J'ai eu. Hop, Pokémon. Je vais aller plus loin. Ouais, ici c'est bien. Bah tiens, Léviator le retour.
Zbe trouve un repousse, je vais l'utiliser pour ne capturer aucun Pokémon. Bon. Oh. Attention. Oui. Tu sais que c'est pas génial. Ouais, mais je l'aime bien, Nostan Fer. Et puis c'est tout. Alors, je vais envoyer OGM. Parce que ce truc à mania. Tu sais qu'il va te tuer là. Non, c'est pas. Volvi. Waouh. OGM est vraiment très fort, hein. Il a pas envie de dormir, lui. Ultrason. Ok, ok, coup critique, c'est bien ça. Oh non. Il essaie de se blesser lui-même. Bon, alors. Et je vais bourriner la Pokéball pendant qu'il se blesse. Ah, il est plus confus. En espérant qu'il se passe pas trop mal, tu vois. Ah, il est plus confus. Au moment où je fais un... C'est quoi ce stat? 12-12-15-12-15. C'était presque un shiny. Non. Ah non, c'est pas dans cette version-là. Si, c'est su. Ah bon? Si. Mais non, mais il était presque pas shiny, là, hein, complètement. Aïe! Putain, grincement avec les écouteurs super forts dans les oreilles, c'est pas super... Oui, il est plus confus. Allez, Dieu Jésus, la sainte Pokéball. Bon, on va commencer avec les boules. Je peux lui envoyer mon œuf, ça va te capturer. Ah, presque. En fait, je voulais l'écraser contre Steelix, mais en fait, ça pourrait servir de Pokémon. Non. Oui, no, no God, no boule. God. God. Léviathan ne m'aime pas. Mais il a encore loupé un Pokémon. Mais au moins, lui, il a des bons Pokémon, pas comme moi, en fait. Parce que moi, j'avais vraiment des Pokémon de bras. Alors, j'aurais pu avoir... Un joli gros lem qui a destruction, ce qui est pas mal. Je te conseille de fuir. Pourquoi? Bah, il a destruction. Ah oui. Il a vraiment une gueule de con. Hein. Bon, Poupeuse a monté de niveau. Je crois. Voilà. Niveau 17! Voilà. Donc moi je vais aller me soigner et je vais attendre Billy qui capture son Pokémon. De toute façon on va finir là je suppose. Est-ce que je peux faire un clone neuf? Bah non attends on va le faire... Ouais remarque. Je peux le faire tout de suite? Non. Mais j'ai rien à faire! Oui mais tu attends, moi aussi la dernière fois j'avais attendu. Allez blesse-toi, oui! Tiens il avait récupéré de la vie l'enfoiré. Donc pour l'instant, je vais faire un tour de mes Pokémon. Allez. Que nous avons œuf. Ah, il est enfin dans le jaune. Un œuf jaune? What? Oh oui. Encore une capture fulgurante. Bah, je pense en volant plus l'a... vite et discrètement, une nouvelle paire d'ailes pousse sur ses pattes arrière. Quoi? C'est complètement débile. Bah oui. Tu l'as appelé comment ton Léviathan mort? Mais je lui ai pas donné de nom. Alors. Nostanfer, ça fait Refnutson. Non mais là, c'est facile. Refnutson. Qu'est-ce que tu dis tout le temps? Batman? Oui. Bon, bah il va falloir attendre Mauvi. Enfin. Non, on peut pas changer le nom des Pokémon qui ont un surnom. Si! Ah. C'est ceux qui ont été échangés. Et puis vu que tu fais un dresseur, bah. Ah mais j'ai pas fait exprès. Oula! Il essaie de m'endormir l'enfoiré! Putain, non! Oui! Non, mais je vais me grouiller. Mais vas-y, de toute façon, tu peux avancer pour commencer à faire avec l'enfant neuf. Vous voyez, bouche à bite. Bon, voilà, j'ai B. Shiny ou quoi? Non, en shiny, il est gris et jaune, hein. Donc voilà, tu peux lancer la fin de l'épisode, de toute façon, j'arrive. Donc, alors, voilà, je m'arrête sur ce petit carré où il n'y a pas d'herbe, parce que c'est cool. Et donc, on va se retrouver pour bonjour. Le prochain, bonjour. Bon, prochain épisode
de Pokémon Cristal. Attends, dire... c'est dans l'autre sens, il faut aller dans l'autre sens. Normalement, les écrans, ils sont comme ça. Mais non, 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 voilà. D'accord. Voilà. Donc alors, j'ai failli dire Pokémon XD, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve pour le sixième épisode. Et c'était Yoshi Gonzalez. Et Billy Boy. Au revoir. À bientôt. Salut.